Bon, comme vous l'a expliqué Philippe, hein, je vais vous parler ce matin de un petit peu d'une partie, hein, uniquement de mon travail. Et je vais essayer de retracer l'évolution des quatre pièces qui sont au programme, hein, donc Le malade imaginaire, L'école des femmes, Tartuffe et l'amour médecin, à travers le lien entre le texte et la mise en scène, et essayer d'expliquer justement quelle est la fortune scolaire de ces quatre pièces pour vous permettre de comprendre pourquoi les trois premières sont considérées depuis plus d'un siècle comme des œuvres patrimoniales et pourquoi, à l'inverse, les manuels scolaires sont quasiment silencieux autour de l'amour médecin. Mon propos va s'articuler en deux parties. Dans la première partie, je vais d'abord donc m'arrêter sur le lien établi entre le texte et sa représentation théâtrale. Et je vais essayer d'apporter des réponses aux questions suivantes. Donc, à quelle époque ce lien a-t-il été établi pour la première fois? Comment a-t-il été introduit dans les manuels? Comment a-t-il évolué? En lien justement avec l'introduction dans les programmes du travail sur la lecture de l'image d'abord, puis ensuite sur celui de la mise en scène. Donc là, je commence ma première partie, le texte et sa représentation théâtrale dans les manuels. Et nous allons d'abord nous arrêter sur l'actualisation par l'image des personnages. Tout simplement parce que le premier lien qui va être établi entre le texte et la mise en scène dans les manuels va se faire par l'intermédiaire de ce que j'appelais l'actualisation par l'image. Donc là, vous voyez la diapo que vient de mettre en ligne Philippe. Alors, c'est à partir des années à peu près 1930, 1940, qu'on va commencer à utiliser l'iconographie dans les manuels. Et cette iconographie va d'abord être mise au service de l'actualisation par l'image des personnages de Molière en donnant à voir aux élèves, comme vous le voyez justement là sur la diapositive, des images des interprètes modernes, donc des interprètes de l'époque dans les années 1940, des comédies moliéresques. Et avant cette date, donc avant les années 1940, aucun lien dans les manuels n'est tissé entre le texte et sa mise en scène. Et ce qu'on va donc d'abord montrer par ces images, c'est une représentation de l'incarnation du personnage par un comédien, comme là vous voyez l'incarnation de Tartuffe par Louis Jouvet. Alors, en 1948, dans la première édition de la célèbre anthologie que je pense vous connaissez tous, hein, qui est le Lagarde et Michard, la légende, hein, qui présente ce type de document se contente toujours d'indiquer le nom du comédien qui interprète le rôle, c'est-à-dire là, par exemple, Louis Jouvet dans le rôle de Tartuffe. Le gros plan qui est montré aux élèves concerne donc uniquement la figuration du personnage. Et cette pratique de donner un visage au grand rôle de Molière va s'étendre dans les manuels à partir des années 1960. Dès l'insertion de ces photographies dans les ouvrages du collège, comme ceux du lycée, on va pouvoir repérer des invariants, lesquels vont faire de ces images de véritables documents patrimoniaux. En effet, il s'agit autant de montrer une incarnation du personnage que de scolariser des interprétations de grands comédiens. Et trois œuvres en particulier vont donner lieu à ce type d'illustration, L'avare, Tartuffe et Don Juan. Alors, si ce sont avant tout ces trois personnages de Molière qui sont dans les manuels du milieu du XXe siècle l'objet d'une image incarnée, c'est en raison des comédiens qui ont justement joué le rôle. En sélectionnant ces interprétations plutôt que d'autres qui ont été réalisées par d'autres acteurs moins connus dans les années 60, c'est en fait tout l'impact de l'image médiatique de trois grands acteurs que l'on voit ici. Alors, il s'agit de Charles Dullin dans le rôle d'Harpagon, de Jean Vilar dans celui de Don Juan et de Louis Jouvet, hein, dont vous avez encore la diapositive à l'écran, hein, qui incarne Tartuffe. Et ces trois noms
sont des personnalités qui ont joué un rôle important dans le développement du théâtre au XXe siècle. Alors, Charles Dullin, d'abord, parce qu'il est le fondateur du théâtre de l'Atelier en 1921. Jean Vilar, bien évidemment, parce qu'il est le créateur du Festival d'Avignon en 1947. Et enfin, Louis Jouvet, en tant que comédien, professeur de théâtre, metteur en scène et fondateur en 1922 du théâtre des Champs-Élysées. Il faut aussi noter que la notoriété de ces trois acteurs n'est pas sans lien dans les années 1960 avec la vulgarisation du théâtre, lequel, grâce à la télévision, devient accessible à tous. Je pense que vous vous souvenez tous, en effet, que c'est à cette époque que l'ORTF diffuse des mises en scène qui sont enregistrées au Théâtre Marigny ou au Théâtre Édouard VII. De 1966 jusqu'en 1984, l'émission Au Théâtre de ce soir, hein, qui a été créée par Pierre Sabag et Georges Folgoas, va ainsi diffuser plus de 400 pièces de théâtre. Et à cette époque, donc à une époque où la politique culturelle est en extension dans les années 60, où le développement du théâtre comme du cinéma est soutenu par André Malraux, qui est alors ministre de la Culture de 1959 à 1969, les manuels vont donc donner à voir l'incarnation des personnages moliéresques par des acteurs qui sont médiatisés par la télévision de l'époque. L'utilisation de ces différentes photographies nous conduit donc à nous interroger sur le rôle de ces images de vedettes, puisqu'il s'agit véritablement de vedettes du petit écran dans les manuels. Qu'apportent-elles aux personnages, à leur lecture? La notoriété de ces vedettes n'est pas la seule cause de leur utilisation pour incarner tel ou tel personnage. En fait, c'est aussi parce que ces acteurs ont marqué le rôle qu'ils sont retenus par les auteurs des manuels. Ils ont réalisé ce qu'on appelle des interprétations d'excellence. Donc, ainsi de Louis Jouvet, qui demeure la référence pour la lecture d'un Tartuffe inquiétant, comme Gérard Depardieu va devenir dans les années 1980, on verra la diapositive là justement, la diapositive de Gérard Depardieu, il va devenir dans les années 1980 la référence pour l'interprétation d'un Tartuffe qui est à l'opposé de celle donnée par Louis Jouvet. Le Tartuffe de Louis Jouvet est un Tartuffe inquiétant, le Tartuffe de Gérard Depardieu est séducteur. Et c'est ce phénomène de médiatisation d'un comédien qui permet en fait d'expliquer que c'est Gérard Depardieu qui va représenter le nouveau visage de Tartuffe à la fin du XXe siècle dans les manuels. Alors, acteur et comédien, Gérard Depardieu à cette époque occupe le devant de la scène depuis 1974, date de sa première apparition remarquée dans le film de Bernard Blier, Les Valseuses. L'impact de ces grands interprètes de Molière demeure encore présent dans les manuels d'aujourd'hui, où il n'est pas rare de retrouver en particulier des photographies des interprétations de Louis Jouvet. Pour ne citer qu'un exemple, en 2011, dans le manuel Écume des lettres, qui est un manuel pour la classe de seconde, on donne à voir aux élèves deux incarnations du personnage d'Arnolphe dans l'école des femmes. D'un côté, celle de Louis Jouvet, dans une mise en scène de comédien, et celle de Pierre Arditi en 2001 dans une mise en scène de Didier Besas au Théâtre de la Commune. Et la notoriété de Pierre Arditi, interprète de nombreux films d'Alain René, mais aussi comédien de théâtre très médiatisé par le petit écran, est telle que depuis le début du XXIe siècle, dans tous les manuels scolaires, le visage d'Arnolphe que nous retrouvons est toujours celui de Pierre Arditi pour la lecture de l'école des femmes. Donc en fait, ce sont donc bien d'abord par ces photographies incarnées de rôles incarnés des personnages que le lien avec la mise en scène a été tissé dans un premier temps. Mais à partir de ces premières photographies, on va passer maintenant, et c'est mon deuxième point, on va donc passer directement à établir un lien dans les manuels avec la mise en scène. En ce qui concerne les premières photographies réellement de mise en scène, proprement dites, elles vont apparaître
à partir de la fin de la première moitié du XXe siècle dans les manuels. Mais il faut dire qu'elles sont quasiment exceptionnelles à cette époque. Là encore, c'est dans l'anthologie du Lagarde et Michard, hein, 1948, laquelle, hein, il faut le dire, je pense que vous le savez, mais en 1900, pratiquement jusque dans les années 1980, pour le lycée, cette anthologie est pratiquement en situation de monopole. Donc, c'est à partir des années 1948 que dans l'anthologie du Lagarde et Michard, on va pour la première fois choisir de donner à voir aux élèves des illustrations de mise en scène. Et si on veut faire le lien avec les élèves de collège, c'est 20 ans plus tard, dans les années 1960, que les manuels du collège, quant à eux, vont s'ouvrir aux photographies de mise en scène. Alors, que dire de ces photographies de mise en scène? Il faut dire en fait qu'elles vont surtout affirmer leur présence dans les manuels du collège dans les dernières décennies du XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque, alors que les photographies de mise en scène, de façon étonnante, vont disparaître plus ou moins des manuels de lycée, lesquels vont recentrer leur utilisation des illustrations sur des documents artistiques et qui vont contextualiser la comédie moliéresque dans le cadre de sa création du temps de Molière. À l'inverse, c'est donc dans les manuels du collège qu'on va voir à partir des années 1980 s'imposer en support de l'analyse de l'image des mises en scène. Alors, ceci s'explique par l'importance que les programmes du collège en 1985 vont accorder pour la première fois à ce qu'on appelle la maîtrise de l'image. Alors, même s'il n'est pas vraiment question à cette époque, hein, dans les années 1996, de 85 de scénographie, il n'en reste pas moins que les instructions pour la classe de français vont inviter l'enseignant à associer aussi fréquemment que possible le texte et à l'image. Au lycée, par contre, il faudra entendre les instructions de 2001 et en particulier l'introduction en classe de première de l'objet d'étude, le texte théâtral et sa représentation, qui vont modifier définitivement les choix iconographiques des manuels pour voir apparaître massivement dans les pages des manuels, des photographies de différentes mises en scène en illustration des morceaux choisis de Molière. On constate alors, de plus en plus fréquemment, à partir bien sûr du début du XXIe siècle, la présence de photographies de mise en scène, lesquelles illustrent l'ensemble des comédies de Molière, et ce, dès les manuels à l'usage de la classe de 6e. Les choix iconographiques des auteurs mettent en évidence que désormais, c'est avant tout dans une perspective de visualisation de la mise en scène qu'on va lire le théâtre de Molière. Et c'est donc la dimension du spectacle vivant qui est vraiment mise en avant. Si ces photographies de mise en scène sont dès lors considérées comme les premiers supports iconographiques pour illustrer le théâtre de Molière, c'est parce que ces documents témoignent du fait que désormais, à partir du début du XXIe siècle, on ne peut appréhender le texte théâtral sans envisager sa dimension scénique. Dans les manuels d'aujourd'hui, le travail du comédien, le travail du metteur en scène deviennent ainsi un élément à part entière de l'étude du théâtre et il est manifeste qu'à partir de la fin du XXe siècle, on va toujours analyser le texte théâtral en lien avec sa représentation. Alors, autre chose qui est intéressant à noter dans les manuels à partir de la fin du XXe siècle, c'est l'ouverture à des photographies de mise en scène qui transposent l'univers des comédies de Molière dans un autre temps ou un autre cadre que celui du contexte de leur écriture. Alors, c'est ce que nous pouvons appeler des mises en scène modernisantes pour les différencier des mises en scène qui s'inscrivent dans le cadre du contexte historique de la création des pièces de Molière. Alors, ceci ne signifie pas que la transposition scénographique s'effectue en costume d'aujourd'hui et ou dans le temps d'aujourd'hui, mais qu'elle inscrit la pièce dans un autre univers que celui de Molière, lequel est la transcription de l'imaginaire d'un metteur en scène. Et dans les années 1990, cette pratique est encore très peu courante,
La tendance étant toujours de donner à voir aux élèves des mises en scène contextualisantes, donc en costume d'époque. Alors aujourd'hui, par contre, les ouvrages scolaires du collège, comme ceux du lycée, se montrent particulièrement soucieux de faire vivre dans l'ici et le maintenant la mise en scène du texte de Molière, pour rendre plus proche le texte des élèves, pour rendre sa réception plus facilement accessible aux élèves, on va donc faire appel aux représentations les plus récentes. Ainsi, les pages des manuels regorgent d'une iconographie qui propose de lire une pièce à la lumière des mises en scène théâtrales qui l'actualisent. Dans un perpétuel souci de rapprocher la comédie moliéresque du vécu des élèves, on n'hésite pas à faire appel à l'imaginaire des metteurs en scène les plus créatifs. Et quelle que soit l'œuvre étudiée dans les manuels actuels du collège ou du lycée, l'actualisation de la représentation des comédies de Molière, par l'image est donc manifestement un enjeu essentiel de sa lecture. Et en règle générale, le questionnement repose surtout sur l'observation des costumes et des postures des comédiens. Plus rarement, le travail sur la mise en scène invite l'élève à comparer plusieurs propositions artistiques, comme c'est le cas par exemple, et là il faudrait revenir un petit peu en arrière dans les diapositives, Philippe. Voilà, puisque là on va s'arrêter sur les différentes. Voilà donc à la première. Voilà, c'est ça. Ah, donc je vous donne un exemple des différentes mises en scène actualisantes que l'on peut trouver dans un des manuels actuels du lycée. Alors, c'est le manuel Belin qui est sorti en 2011 et qui continue toujours à proposer aujourd'hui hein, les images que vous avez sous les yeux. Donc, il s'agit justement de plusieurs propositions artistiques concernant Tartuffe pour la classe de seconde. Et cet ouvrage, donc, accorde une double page à la mise en scène de la pièce. Il s'agit de la confrontation entre Elmire et Tartuffe, la scène 5 de l'acte 4, qui est montrée à travers quatre représentations différentes pour lesquelles l'appareil didactique précise chaque fois la démarche du metteur en scène. Alors, la première, si on revient à nouveau, Philippe, voilà, c'est ça. Alors, donc là, il s'agit de la mise en scène de Jacques Weber en 1994 au Théâtre Antoine, que le manuel qualifie de une vision majestueuse. Alors, le rôle de Tartuffe, vous le voyez, est interprété justement par le metteur en scène. Et dans cette représentation, Tartuffe apparaît dans un costume richement orné. Son air hautain, sa prestance, ses manières renforcent son caractère séducteur et apportent un nouvel éclairage donc sur le personnage. La deuxième image, donc là on passe à la diapositive suivante, montre cette fois une transposition orientale. Donc elle donne à voir la mise en scène d'Ariane Mnouchkine au Festival d'Avignon en 1995. Et le propos de la metteur en scène est ici de dénoncer l'hypocrisie religieuse en général, quelle que soit la religion. Elle élargit ainsi la portée de la pièce en choisissant de la transposer dans un contexte oriental. La troisième image, donc là on passe à la diapositive suivante. Voilà, merci Philippe. Donc la troisième image montre ce que le manuel appelle une proposition moderne et il s'agit de la mise en scène de Stéphane Brunswick en 2008 au théâtre de l'Odéon. C'est une version qui est sobre, austère, quasi monacale au niveau des décors et au niveau des costumes. Donc, le metteur en scène propose là aussi une vision totalement différente de Tartuffe. Et enfin, dernière image, donc diapositive suivante. Merci. Donc, dans la dernière image, il s'agit d'une adaptation que le manuel interprète comme étant atemporelle. C'est la mise en scène de Galine Stoève en 2014 à la Comédie-Française. Et dans cette version, les détails d'époque sont gommés. Il y a un lustre ancien qui côtoie des tringles de rideaux modernes. Elmire porte une robe longue qui évoque à la fois le XVIIe siècle et évoque aussi une tenue de soirée actuelle. Donc, les choix artistiques de ces quatre metteurs en scène vont être analysés par le manuel à travers l'observation des costumes, des décors, des accessoires, pour en relever les différences et les ressemblances. La confrontation entre ces quatre interprétations du Tartuffe
donne ensuite lieu à un travail sur la représentation des personnages dans chaque mise en scène afin de permettre aux élèves de comprendre pourquoi et comment chaque artiste donne sens à la pièce en l'interprétant. Et la réflexion va déboucher sur un double exercice. D'abord, la rédaction d'un paragraphe écrit, lequel prend pour support les images pour faire réfléchir l'élève sur le fait que la représentation d'une pièce est toujours une interprétation du texte. Et par ses choix iconographiques, cette proposition des auteurs du manuel est riche en enseignements pour les élèves. La juxtaposition des différentes photographies va permettre d'inscrire le texte de Molière dans l'ici et le maintenant. Et les précisions apportées par l'appareil didactique ancrent donc le théâtre dans sa double dimension, à la fois un genre littéraire et un spectacle vivant, lequel est la représentation jouée du texte écrit par un artiste qui imprègne de son propre univers l'œuvre initiale. Avec la transposition du Tartuffe dans un contexte oriental, la photographie du spectacle d'Ariane Mouchkine est ainsi une porte ouverte vers une lecture actualisante de l'œuvre de Molière. L'exploitation de cette mise en scène par l'enseignant peut lui permettre de montrer que, comme le dit Yves Citon, un texte littéraire ne continue à exister que pour autant qu'il nous parle et qu'il nous parle que par rapport à nos pertinences actuelles. Et ces quatre images permettent donc à l'élève de comprendre qu'un metteur en scène construit une lecture particulière, datée, située de l'œuvre de Molière. Leur confrontation l'aide à prendre conscience que les grandes mises en scène jalonnent l'histoire des œuvres et en multiplient les sens. L'élève peut aussi, à la suite de l'analyse de ces quatre propositions de metteur en scène, construire donc sa propre signification du Tartuffe en fonction de sa propre sensibilité, en y projetant ses propres connaissances, ses propres préoccupations et sa propre représentation du monde. Alors, bien évidemment, l'élève ne peut être qu'un sujet lecteur en apprentissage, un sujet lecteur en devenir. Sa lecture personnelle se situe, bien entendu, à un autre niveau que celle qu'a produit un metteur en scène, mais l'exemple de ces quatre expériences théâtrales peut lui permettre de faire de la rencontre avec l'œuvre de Molière l'occasion de réfléchir sur soi et sur le monde qui nous entoure. À partir de ces supports iconographiques, l'enseignant, quant à lui, est libre de poursuivre la démarche, de faire en sorte que l'élève à son tour puisse se projeter dans l'œuvre et qu'il l'investisse en fonction de son propre univers mental pour en construire une lecture actualisante. Donc, c'est actuellement ce qui est essentiel dans les manuels scolaires pour le lien entre le texte et la mise en scène. Car si on continue à étudier aujourd'hui des œuvres patrimoniales telles que le théâtre de Molière, c'est justement parce que ce théâtre peut encore parler, parle encore aux adolescents d'aujourd'hui, parce qu'il a encore quelque chose à nous dire, parce qu'il permet aux adolescents de se construire et de trouver leur place dans le monde. Donc, ce lien établi entre la mise en scène et le texte théâtral est fondamental et c'est ce qui, justement, aujourd'hui, est quelque chose que tous les manuels vont essayer d'exploiter avec plus ou moins, bien sûr, de bonheur. Donc là, comme on est limité dans le temps, je vais passer maintenant à ma seconde partie. Maintenant qu'on a un petit peu éclairé ce lien entre le texte et la mise en scène, on va s'arrêter sur la fortune des comédies de Molière dans les manuels depuis la fin du 19e siècle. Et comme nous avons parlé de Tartuffe, nous allons justement commencer par Tartuffe. Et Tartuffe a toujours été et continue à être considéré dans le manuel comme le héros le plus controversé du répertoire comique. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu cette formule. En fait, l'histoire de la scolarisation du Tartuffe commence à la classe de rhétorique, qui était l'ancienne classe de première, à partir de 1880, aux côtés du Misanthrope. Les deux pièces sont introduites dans les programmes en même temps. Et l'introduction du Tartuffe soulève aussitôt des protestations à la fois de la droite universitaire, mais aussi des maisons d'éducation chrétienne
et aussi de la hiérarchie catholique. La pièce, cependant, elle va très vite s'imposer comme étant l'œuvre de Molière qui est spécifiquement étudiée dans les classes de lycée et en particulier en classe de seconde. Jusqu'à la fin du XXe siècle, elle va rester inscrite au programme de ce niveau et même si elle n'est plus explicitement citée dans les instructions officielles depuis 2001, il n'en reste pas moins qu'elle continue à être exploitée dans tous les manuels de la classe de seconde depuis le début du XXIe siècle. Aujourd'hui, comme lors des deux siècles précédents, Tartuffe demeure une pièce canonique dont on ne peut imaginer l'absence dans un manuel destiné à une classe de seconde. Alors, mais revenons aux années 1880. C'est donc à partir de 1880 qu'on introduit la pièce dans l'ensemble des ouvrages scolaires. Avant 1880, il semblerait qu'elle ait été peu exploitée, certainement justement à cause de son côté sulfureux qui frappe certains auteurs de manuels. Et en 1880, c'est d'ailleurs avec beaucoup de réticence que les auteurs des ouvrages de l'enseignement confessionnel l'accueillent dans leurs pages. Dans ces manuels, il n'est pas étonnant que le jugement porté sur l'œuvre soit sévère, ce qui reflète le sentiment de provocation ressenti par l'enseignement catholique lors de l'inscription de la pièce au programme. Dans ces manuels, le théâtre de Molière y est condamné comme une école de vice, et en particulier Tartuffe, lequel, dit-on, bafoue la piété et la vertu. Aussi n'est-il pas étonnant de voir que les auteurs de ces manuels n'hésitent pas à mettre en garde de façon outrancière les jeunes esprits contre ce qu'ils estiment être le danger d'une telle œuvre, laquelle risquerait de leur être fatale, dit-on. Et les auteurs des manuels disent même que la jeunesse chrétienne doit donc s'interdire sa lecture, ou du moins ne doit-elle l'aborder que guidée par une main discrète et sage, nous dit-on, et agir autrement, nous dit-on, ce serait s'exposer à inoculer un poison mortel. La lecture du Tartuffe est ainsi donc réalisée de façon à démontrer l'immoralisme de Molière dans les manuels d'éducation chrétienne, lequel est présenté comme étant aux antipodes de la morale chrétienne. Et au XXe siècle, dans les manuels qui sont publiés aux éditions catholiques, qui sont les éditions de Gigord, la lecture de la pièce continue à être l'objet d'une visée éducative et morale, mais qui cette fois va plutôt passer par l'étude des caractères. À travers le personnage de Tartuffe, c'est l'hypocrisie qu'on condamne et dont on dénonce le caractère pernicieux. Dès la première moitié du XXe siècle, la question du Tartuffe est donc amplement débattue dans les pages de tous les manuels à l'usage des élèves du second cycle. Ainsi, lire Tartuffe, c'est surtout s'interroger en référence à la critique exégétique sur les intentions de Molière. Et cette fameuse question des intentions de l'auteur demeure encore souvent, aujourd'hui, au centre de l'analyse du Tartuffe. Et ce, en prenant pour support la préface de la pièce qui est souvent donné à lire aux élèves un morceau choisi. En général, les auteurs des manuels s'appuient sur cette préface pour expliciter ce qui serait l'intention de Molière en disant qu'à travers le personnage de Tartuffe, Molière entend dénoncer la fausse dévotion et la religiosité outrancière qui servent de masque à l'arrivisme politique. Alors cependant, quelques manuels vont amorcer une nouvelle orientation de la lecture de la pièce à travers la mise en évidence de sa dimension comique, qui jusque-là avait été totalement occultée jusqu'à la fin du XXe siècle. Et à ce moment-là, c'est la fameuse scène 4 de l'acte 1, lors de laquelle Orgon répond à Dorine de façon systématique, le pauvre homme, vous connaissez tous cette fameuse scène, qui sert alors de support à l'étude du comique de la pièce. Et dans les manuels du XXIe siècle, le Tartuffe sert donc aussi à illustrer les procédés du comique. Et le couple Orgon-Tartuffe et la théâtralité du motif du personnage caché dans la scène 5 de l'acte 4 deviennent alors les entrées privilégiées pour étudier le comique de situation. Alors cependant, il n'en reste pas moins que pour les manuels d'aujourd'hui, comme pour ceux d'hier, étudier Tartuffe, c'est toujours avant tout mettre en évidence le problème social et moral qui est au cœur de l'œuvre.
Et on en revient toujours à dire que les intentions de Molière y sont de dénoncer par le rire, hein, le fameux castigat ridendo mores. Le choix de proposer à la lecture la scène 5 de l'acte 4 est à ce sens révélateur de la volonté des auteurs des manuels de lycée de faire de cet extrait une illustration des intentions de Molière. On parle ainsi du rire grinçant du dramaturge, lequel est mis au service d'une visée morale, puisqu'il s'agit d'arracher le masque de l'hypocrisie. Et par ailleurs, plus que jamais, l'exploitation de la pièce sert de support à un entraînement, une réflexion argumentative sur la fonction de la comédie, avec la question posée aux élèves, la comédie peut-elle corriger nos défauts? Le recours à la lecture en morceaux choisis du premier placé sur Tartuffe permet souvent dans les manuels d'orienter les élèves vers une lecture de la comédie réduite à sa visée axiologique. Comment la comédie joue-t-elle un rôle moral selon Molière? En fait, finalement, si on fait un petit point, peu de choses ont évolué dans l'analyse de la pièce depuis son introduction dans les programmes à la fin du XIXe siècle. Si ce n'est que le personnage de Tartuffe, même s'il est toujours considéré comme le héros le plus controversé du répertoire comique, n'est plus au centre de l'étude que les manuels proposent de l'œuvre de Molière. Cette réorientation vers l'étude des procédés du comique a entraîné une homogénéisation de l'analyse de la comédie. En perdant son côté sulfureux, la lecture du Tartuffe rejoint donc celle des autres pièces de Molière. Et on va justement donc maintenant passer à l'école des femmes. Donc, Philippe, si on peut changer de diapo, merci. Voilà, donc... Voilà, merci. Alors, donc, on ne peut pas parler de l'école des femmes dans les manuels sans parler des femmes savantes. Pourquoi? Parce que les deux comédies sont étroitement liées, car les deux pièces sont, au niveau de leur fortune scolaire, ont toujours été centrées autour de la représentation du personnage de la femme de Molière. Et c'est à partir du moment où l'étude des femmes savantes va disparaître des programmes que celle de l'école des femmes va justement être scolarisée. Les femmes savantes a été l'une des premières comédies à être scolarisée en tant que chef-d'œuvre de Molière. Elle a même été introduite avant Tartuffe. Elle est introduite dès 1866. Et d'une façon générale, la pièce va demeurer au programme des grandes classes du collège, c'est-à-dire 4e et 3e, jusqu'à la fin du XXe siècle. Depuis le début du XIXe siècle, en fait, très rares sont les manuels qui n'exploitent pas les femmes savantes. Et les femmes savantes est d'ailleurs une des pièces préférées des ouvrages scolaires des maisons chrétiennes, qui louent en elles la façon dont Molière va porter un regard critique sur les femmes qui s'instruisent et tentent de s'élever de leurs conditions justement de femmes au foyer. Si les auteurs des manuels vont accorder autant d'importance à la pièce, c'est en effet parce qu'elle est porteuse d'une leçon de morale et ainsi elle va donner lieu à de nombreux sujets de devoir, lesquels concernent, à travers le personnage d'Henriette que l'on appelle la fille chérie de Molière, l'éducation des femmes jusqu'au milieu du XXe siècle. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, si on exploite la pièce, c'est en fait pour louer, comme on le dit dans de nombreux manuels, la spirituelle Henriette qui est proposée en modèle aux jeunes filles françaises. La pièce va disparaître quasiment des manuels à partir des années 1980, détrônée par l'introduction de l'école des femmes. La raison de cette disgrâce est simple, hein, c'est parce qu'Henriette n'est plus le modèle de la femme idéale de la société des années 1980. Désormais, c'est Agnès qui incarne une image de la jeune fille moderne, laquelle revendique la liberté de ses choix. Alors, il faut rappeler que les événements de mai 1968 sont passés par là, le féminisme, la cause des femmes de Gisèle Halimi en 1973, les lois de Simone Veil en 1975 sont manifestement passées par là. Et les manuels s'en font l'écho à travers la référence à l'émancipation d'Agnès. À la fin du XXe siècle, rares sont donc les manuels qui proposent des extraits choisis des femmes savantes. Et à l'inverse, tous les manuels vont proposer des extraits de l'école des femmes qui va s'imposer à la place des femmes savantes
et à partir des années 2000, en particulier dans les manuels de la classe de seconde. Et l'ingénue Agnès va donc remplacer l'adorable Henriette. À travers les manuels, c'est désormais l'image d'une jeune fille émancipée que l'on donne à lire aux adolescents d'aujourd'hui. Et comme c'était le cas auparavant à travers Henriette, la pièce de Molière est avant tout exploitée pour mettre en évidence les idées qu'aurait eues son auteur sur l'éducation des femmes. L'étude de l'évolution du caractère d'Agnès devient ainsi l'élément moteur de l'analyse proposée par les manuels. Ce changement de regard est essentiel. Il renvoie nécessairement à un changement de valeur transmise par l'institution scolaire, ce qu'atteste d'ailleurs l'évolution du corpus officiel, puisqu'en 1987, l'école des femmes est inscrite au programme de la classe de seconde, puis 10 ans plus tard, en 1997, au programme de la classe de troisième. Ce dont témoigne donc l'abandon de l'exploitation récurrente des femmes savantes dans les manuels depuis la fin du XXe siècle, c'est peut-être d'abord que ceux-ci ne sont plus considérés, comme c'était le cas lors des époques précédentes, comme des garants d'une éducation morale. Les manuels reflètent aussi par ce choix l'histoire de l'évolution des mentalités concernant la place de la femme dans la société. Miroir aussi de l'histoire de la transmission culturelle, les ouvrages scolaires d'aujourd'hui ne pouvant en fait qu'acter ces profonds bouleversements en modifiant leur corpus. Les femmes savantes, pièces de Molière éminemment canoniques, autrefois autant célébrées par l'institution scolaire que le misanthrope et le Tartuffe, disparaît donc des manuels du lycée du XXIe siècle. Henriette s'efface au profit d'Agnès, nouvelle égérie féminine, plus en phase avec les valeurs prônées par une société qui se réclame de l'égalité des sexes. Et pour les auteurs des manuels d'aujourd'hui, on peut donc dire que l'image d'Agnès demeure toujours celle de l'ingénue qui s'éveille à l'intelligence par l'amour. La complexité de son personnage n'est jamais évoquée. Cette évolution qui fait que dans les ouvrages scolaires depuis la fin du XXe siècle, Agnès représente désormais le modèle de la jeune fille moderne, explique l'occultation des aspects plus sombres que pourrait avoir le personnage. Mais il faut aussi dire que le passage à la fin du XXe siècle d'Henriette, modèle donné pendant longtemps aux jeunes filles françaises, à Agnès, nouvelle égérie, correspond aussi à un changement dans les contenus éducatifs présentés par ces deux pièces. Jusque dans les années 1970, le discours scolaire développe l'image d'un Molière conservateur en matière d'éducation féminine. Or, à partir de la fin du XXe siècle, avec le personnage d'Agnès, c'est tout l'inverse, c'est une toute autre image que les manuels véhiculent. À travers le discours scolaire, à l'inverse d'apparaître comme un conservateur en matière d'éducation féminine, Molière devient ainsi, à travers le personnage d'Agnès, le défenseur des idées nouvelles soutenues par les féministes de son temps. Donc voilà en gros les éléments les plus importants concernant l'évolution de l'introduction de l'école des femmes en lien donc très net avec les femmes savantes, donc toute l'histoire de la scolarisation de ces deux pièces. Alors, je vois que le temps passe, on va s'arrêter maintenant sur le malade imaginaire. Philippe, si on peut, merci beaucoup. Donc, bien sûr, l'ultime farce de Molière. Alors, la fortune scolaire du malade imaginaire est très intéressante parce qu'elle est inégale. Elle se caractérise de façon étonnante, suivant les époques, par une suite de disparitions et d'apparitions dans les programmes. Longtemps, le malade imaginaire a été en concurrence avec l'avare dans les classes de 4e et de 3e. Et il semblerait que la comédie ait beaucoup souffert de ce face-à-face parce que le malade imaginaire a toujours été considéré comme une pièce à faible intention moralisatrice. Alors, peut-on en déduire que c'est ce qui explique que sa fortune scolaire demeure en dents de scie? En fait, il est difficile de l'affirmer. Cependant, deux éléments nous font pencher vers cette hypothèse. On peut noter tout d'abord que dans les programmes, lorsqu'elle a été à l'usage des élèves de 4e ou de 3e, cette comédie a toujours été associée à une autre pièce à portée axiologique plus forte, comme l'avare, le bourgeois gentilhomme ou les femmes savantes. Ensuite, plus récemment,
On peut penser que c'est aussi pour cette raison que la comédie a été mise à l'étude des élèves plus jeunes, ceux de la classe de 5e. Mais si on revient à la fin du 19e siècle, à date de l'introduction de la comédie dans les programmes, on peut noter que tout comme l'avare, la lecture de la pièce, dès son apparition dans les programmes officiels, a toujours été destinée aux classes intermédiaires, c'est-à-dire les classes de 3e et de 4e. Elle est introduite pour la première fois en 1891, mais elle sera ensuite très vite délaissée jusqu'au début du XXe siècle. Et il faudra attendre donc 1962 pour qu'elle soit réintroduite dans les programmes en classe de 4e, aux côtés de l'avare et du bourgeois gentilhomme d'abord, puis en 1978 en classe de 3e, et ce jusqu'en 1996 aux côtés des femmes savantes. Elle va à nouveau ensuite disparaître des textes officiels jusqu'en 2008, date à laquelle elle est inscrite au programme de la classe de 5e, aux côtés du bourgeois gentilhomme et des fourberies de Scapin. Avant son inscription dans les programmes de la fin du 19e siècle, à l'inverse de l'avare ou du bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire est quasiment toujours ignoré des manuels de l'époque. Il faut dire que les manuels sont très rares à proposer des morceaux choisis de la pièce avant qu'elle ne soit inscrite au programme, donc en 1891. Et à cette époque, une seule scène est en général donnée à lecture, celle que l'on retrouve à partir de cette date dans tous les ouvrages. Il s'agit d'un ou deux extraits de la scène 5 de l'acte 2, lors de laquelle Thomas Diafoirus fait son compliment à Angélique. Et deuxième extrait, celui du passage où M. Diafoirus vante les mérites de son fils. Et les quelques manuels qui exploitent la pièce le font dans une visée morale, et ce, toujours en lien avec les valeurs de la famille. On peut se poser la question de savoir pourquoi les auteurs des manuels de cette époque se désintéressent-ils autant de cette comédie. La réponse réside peut-être dans le fait qu'on estime que la pièce occupe une place à part dans le théâtre de Molière. En effet, c'est la dernière pièce de Molière. C'est une œuvre souvent jugée inclassable qui reprend et synthétise tous les aspects de l'art de Molière. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que parmi toutes les pièces de Molière, Le malade imaginaire est la seule dont le classement dans les manuels soit aussi aléatoire. Suivant les manuels, on la retrouve tout autant dans les comédies ballets que dans les comédies de mœurs ou que dans les farces. Sa brève introduction dans les programmes entre 1891 et 1901 ne va donc pas permettre véritablement sa scolarisation. En effet, la pièce va demeurer encore très peu exploitée dans la première moitié du XXe siècle. Quasiment ignorée des manuels, elle passe souvent inaperçue et très peu d'ouvrages en proposent des extraits choisis. C'est à cette époque que sa lecture commence cependant à être profondément orientée par la mort de Molière dans une perspective biographique. On lit la pièce comme le témoignage d'une prétendue longue maladie de son auteur et comme un exutoire à l'angoisse de la mort et des déceptions conjugales. Pour les auteurs des manuels, la pièce devient alors la plus parfaite illustration de la satire de la médecine, point d'orgue de l'œuvre de Molière en ce domaine. Et cette lecture est celle qui va éclipser toutes les autres pendant plus d'un siècle. On la retrouve encore dans les manuels de la fin du XXe siècle. À son retour dans les programmes de la classe de 5e en 2008, aux côtés du bourgeois gentilhomme et des fourberies de Scapin, c'est encore souvent en lien avec la critique de la médecine que se fait la lecture du malade imaginaire. La scène 6 de l'acte 3, lors de laquelle M. Purgon apprend qu'Argan n'a pas respecté son ordonnance, est un des morceaux choisis que les auteurs des manuels privilégient comme support à cette analyse. Pour tous ces ouvrages, la satire de la médecine apparaît comme l'entrée la plus appropriée pour étudier le comique de Molière et pour faire prendre conscience aux jeunes élèves de la portée critique de son œuvre. En fait, il est difficile d'expliquer ce choix de la part des auteurs des manuels, mais on peut cependant penser que le choix d'une longue tradition, que le poids d'une longue tradition pèse encore de façon implicite sur la réception scolaire de la pièce. Le bourgeois gentilhomme demeure ainsi l'archétype de la comédie ballet, tandis que le malade imaginaire est celui de la satire de la médecine. On peut donc espérer que l'introduction du malade imaginaire dans les programmes de la classe de première de 2020-2021 va enfin l'aider à sortir de cette lecture aliénante,
afin de permettre aux élèves d'aujourd'hui de saisir toute la richesse de cette utile farce de Molière. On va donc terminer maintenant avec l'amour médecin, qui est l'objet de la fin de notre communication. Alors, on ne peut pas parler de l'amour médecin sans évoquer les comédies farcesques de Molière, car le sort de l'amour médecin est identique dans les manuels à celui de toutes les comédies farcesques. En effet, l'amour médecin fait partie de tout un pan de l'œuvre de Molière qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais encore été officiellement scolarisé. Il est difficile de dire pourquoi. L'amour médecin est une de ces pièces qui ont été oubliées de l'institution, alors qu'on peut repérer des tentatives de sa scolarisation dans les ouvrages scolaires à diverses époques. Et ces tentatives sont cependant... Bon, ben oui, parce que je suis en visio, effectivement, il y a... Et ont tendance à disparaître petit à petit de la sélection des extraits choisis des manuels, lesquels semblent les abandonner au bout d'un certain nombre d'années. On peut alors penser que l'absence de reconnaissance de l'institution scolaire incite les auteurs des manuels à rejeter ces pièces dans l'oubli, duquel ils les avaient à un moment tirées. À la fin du XIXe siècle, dans les manuels, les scènes de farce, en effet, sont quasiment inexistantes. C'est surtout au cours de la première moitié du XXe siècle qu'on les voit timidement apparaître. Et s'il faut attendre la première moitié du XXe siècle pour voir apparaître de façon régulière les scènes bouffonnes dans les ouvrages scolaires, c'est parce que jusque-là, ce qu'on appelle des petites comédies sont écartées du répertoire canonique de Molière, car on les juge inférieures à ce qu'on appelle les grandes comédies. Et sans doute aussi, si elles sont écartées, c'est parce qu'on les pense peu adaptées aux visées d'une éducation qui se veut avant tout morale. On attribue donc peu d'intérêt à ces pièces qu'on délaisse volontiers. Et dans les manuels catholiques de la fin du XIXe siècle, le jugement sur la farce est d'ailleurs catégorique. C'est le genre qui est placé au plus bas de la hiérarchie. Et la farce, on dit même que la farce ne doit même pas être élevée au statut de la comédie-ballet. De telles remarques, en fait, sont le reflet de plus de deux siècles de tradition critique, laquelle, depuis Boileau, a distingué deux types de comédies dans l'œuvre de Molière. D'un côté, une comédie noble et élevée, et d'un autre côté, une comédie farcesque et basse. Et cette dernière, nous dit-on, n'étant pas réellement du choix de Molière. On nous dit que c'est la nécessité qui l'aurait conduit à se rabaisser à écrire ces petites comédies destinées au peuple et jugées grossières et sans intérêt. Ce dénigrement de la farce dans les manuels va perdurer jusqu'au milieu du XXe siècle. Dans certains manuels, on retrouve même dans la seconde moitié du XXe siècle des propos tels que ceux que je viens de vous citer, ou du moins, on ignore même complètement ces petites comédies. Aussi, c'est surtout aux petites classes qu'on va réserver leur lecture. Mais conformément aux ambitions de l'école républicaine, on ne va utiliser la lecture de ces petites comédies qu'avec une visée axiologique. Si on exploite donc des scènes de farce, c'est avant tout pour tirer du texte de Molière une leçon de morale. On insiste donc bien sur le fait que le rire n'y est jamais gratuit et que c'est en ce sens que Molière a su renouveler les fabliaux du Moyen-Âge en leur donnant une ampleur de comique nouvelle. Et les manuels scolarisent donc en particulier des scènes du médecin malgré lui, bien avant que les instructions officielles ne les intègrent au programme. Mais cependant, cette réhabilitation de la farce s'effectue toujours en lien avec la volonté de montrer qu'à travers l'exagération des traits et la caricature, Molière dévoile les défauts et les ridicules de ses contemporains. Cependant, les extraits proposés dans les manuels de la première moitié du XXe siècle mettent aussi en évidence une seconde direction de lecture, laquelle va introduire un thème dont l'exploitation n'a pas cessé d'être présente dans les ouvrages scolaires d'aujourd'hui, et il s'agit encore de la satire de la médecine. Parfois, des extraits de l'amour médecin sont développés pour présenter ce thème, à partir duquel on va proposer à l'appui des documents sur les médecins et les consultations médicales au XVIIe siècle.
Et on constate encore cette approche aujourd'hui dans les manuels pour la classe de 6e. La satire de la médecine y demeure un thème privilégié pour l'étude du médecin malgré lui, tout autant que pour celle du médecin volant ou de l'amour médecin. Et elle permet en particulier d'ouvrir à la recherche documentaire et de répondre à des objectifs culturels qui sont de découvrir le théâtre et la médecine du temps de Molière. Ce n'est qu'en fait qu'à partir des années 1970 que l'analyse des farces moliéresques va évoluer vers une lecture qui s'intéresse aussi au ressort du comique lié à l'étude des personnages, lesquels deviennent les entrées favorites de leur lecture. Et désormais, l'analyse qui en est proposée s'inscrit dans la ligne des recherches de René Bray, qui en 1954, dans Molière, homme de théâtre, va réhabiliter la farce en contredisant la vision d'un dramaturge ayant pour vocation d'enseigner une quelconque pensée philosophique ou morale. René Bray nous dit que le théâtre de Molière s'auto-justifie par lui-même. Le théâtre, dit-il encore, n'est pas un moyen, c'est un but. Et la comédie n'a pas de fin hors d'elle-même dans une moralisation par le rire. C'est donc à partir de cette époque, donc à la fin du XXe siècle, que les extraits vont se multiplier dans les manuels et on constate un lien avec les instructions officielles des classes de 6e et de 5e, l'importance des pages accordées à des extraits de farce. Il faut donc attendre que l'enseignement de la littérature n'ait plus de visée explicitement axiologique pour que la comédie de l'amour médecin fasse son entrée dans les programmes et par conséquent dans les manuels. Enfin, il faut aussi noter que les comédies de Molière, que nous pouvons appeler des farces médicales, constituent souvent aujourd'hui, dans l'enseignement primaire au cycle 3, la porte d'entrée à la connaissance du théâtre de Molière. Les manuels, depuis la fin du XXe siècle, donc du cycle 3, donnent des extraits de ces comédies. Et en général, il s'agit de scènes du médecin malgré lui, des fourberies de Scapin ou et de l'amour médecin. Il aura donc fallu plus d'un siècle à l'école pour reconnaître la farce comme représentative du théâtre de Molière au même titre que le misanthrope ou Tartuffe. Cette légitimation institutionnelle très tardive de la farce doit certainement beaucoup à Jacques Coupeau, puis au théâtre de Dario Fo, mais aussi peut-être à l'impact qu'a pu avoir en 1978 le Molière, le film Molière d'Ariane Mouchkine, dans la mesure où la cinéaste met en évidence l'importance qu'a eu la Commedia dell'arte et la culture de la farce dans le théâtre du dramaturge. Et c'est ce qui a certainement permis de scolariser complètement la farce dans les manuels. L'impact l'impact du film d'Ariane Mouchkine est énorme dans les manuels de toute la fin du XXe siècle, dans lesquels on retrouve très très fréquemment des diapositives issues justement du film. La farce a donc acquis ses lettres de noblesse dans les manuels au début du XXIe siècle et elle semble être la meilleure façon, cette fable, de faire dans les petites classes une première approche du théâtre de Molière. Bon, je vois qu'il est temps de conclure donc, pour l'heure. Donc, pour conclure vraiment très, très, très rapidement, on peut dire que de l'éminent Tartuffe à la farce médicale de l'amour médecin, en passant par l'école des femmes et le malade imaginaire, c'est donc toute la richesse du théâtre de Molière que les adolescents d'aujourd'hui vont pouvoir goûter. La lecture de ces quatre comédies devrait leur permettre de comprendre que si le théâtre de Molière est toujours d'actualité, c'est avant tout parce qu'à travers ces comédies, c'est de nous-mêmes et du monde qui nous entoure qu'il nous parle. Et je crois que c'est ça qui est surtout essentiel aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je regrette de ne pas pouvoir vous voir, mais je vous remercie tous. Merci à vous, Isabelle, pour cette très belle intervention. Nous avions prévu un temps d'échange avec le groupe. Je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions directement en ouvrant votre micro, mais aussi par chat, si certains veulent la poser par chat. Je regarde si pour l'instant j'en ai vu arriver, mais je ne crois pas. Non, moi je n'en vois pas non plus pour le moment, mais... N'hésitez pas, bon, parce que... Oui, ou n'hésitez pas à intervenir directement avec le micro, peut-être aussi.
Au-delà des remerciements, c'est toujours agréable. Parce que quand même, dans votre travail, et là, on en voit évidemment l'illustration aussi, on avait intitulé cette matinée « De quoi Molière est-il le nom ?» Et il y a eu cette question transparaît dans tout votre propos. C'est-à-dire que, en particulier, l'approche par l'école de visée axiologique pour défendre une morale parfois catholique, parfois républicaine, et en particulier en 1880, avec le Tartuffe qui apparaît dans les manuels et dans les programmes, c'est assez clair que la dimension de l'école républicaine qui doit aussi faire face à l'Église catholique, elle est très très claire. Mais aujourd'hui, peut-être que cette dimension à visée républicaine, j'allais dire, quelle est votre analyse de la situation actuelle par rapport du lien entre Molière et la République ? Alors, je crois que aujourd'hui, comme finalement toujours, je crois que Molière est l'auteur patrimonial, demeure l'auteur patrimonial par excellence pour l'école. Quand on étudie qu'un seul homme de théâtre à l'école, c'est toujours Molière. Je crois que Molière a toujours été donc représentatif de l'esprit français. Depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, cette représentation a beaucoup évolué. Mais par contre, même si elle a beaucoup évolué, et c'est bien qu'elle ait évolué, Molière demeure le représentant de l'esprit français, demeure le représentant de la culture française, et donc demeure le représentant de notre République. Alors, aujourd'hui, donc en fait, si, pour résumer peut-être, parce que je pense que ça peut être intéressant un petit peu pour tout le monde, en quelques mots, alors cette évolution, elle s'est faite en trois étapes. Alors, jusqu'en 18, au début, donc jusqu'au début du 20e siècle, Molière est le représentant de la République. Il est vraiment représenté comme celui qui véhicule les idées républicaines, et son théâtre est donc étudié par les élèves pour mettre en place l'idée justement de la patrie, l'idée du défenseur de la famille, du défenseur justement des valeurs républicaines. Il va y avoir une évolution de cette image à partir des années 1930, à partir du moment où on va voir une humanisation du personnage de Molière, c'est-à-dire qu'on va commencer à s'intéresser à l'homme. Et donc là, on va se servir de Molière pour mettre en place une image qui va se superposer à la précédente, c'est-à-dire qu'il ne va pas la supprimer, elle va se superposer à la précédente. Et Molière va donc devenir l'image que l'on va donner à lire aux élèves, de l'homme de travail, de l'homme qui endure toutes les souffrances, mais qui en dépit de toutes les souffrances conjugales, mais aussi les souffrances politiques endurées, va être vraiment le personnage qui va jusqu'au bout de lui-même et qui même meurt en scène. Et on va mettre en place cette image de Molière qui meurt en scène. Dans tous les manuels, on va dire Molière meurt en scène. Il meurt lors de la quatrième représentation du malade imaginaire. Et donc, cette deuxième image de Molière va rester très présente jusque dans les années 1970. Et à cette époque, il y a une troisième image qui va se superposer, qui est celle de Molière, l'homme de théâtre par excellence, en lien, tout cela se fait toujours en lien avec la critique universitaire. Et tout à l'heure, j'ai parlé de René Bray. Et donc, en 1970, dans les manuels scolaires, on introduit justement les propos de René Bray. Et l'image du comédien, l'image du metteur en scène est réhabilitée. Et donc, Molière va vraiment, à ce moment-là, devenir l'homme de théâtre par excellence. Il devient le paragon de l'homme de théâtre. Alors, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'autre auteur aujourd'hui, il n'y a pas d'autre auteur dans les manuels pour qui cette évolution se soit autant en phase avec l'évolution de la société que ce que je viens de le résumer, que Molière. Donc, je pense que Molière demeure malgré tout un personnage qui représente les valeurs de la République encore aujourd'hui.
Merci. Alors, je vois qu'on me demande si sous forme synthétique, je vois Claire qui demande si sous forme synthétique, je peux mettre à disposition ces éléments. Oui, bien évidemment. Donc, moi, je peux mettre au propre les éléments de cette communication, les envoyer à Philippe et vous pouvez bien évidemment les mettre à la disposition de tout le monde. Il me suffit juste de prendre un peu de temps pour mettre au propre tout cela, mais bien évidemment, oui. Hein. Donc, je réponds à cette question d'avance. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions également, en particulier sur le film de Mnouchkine. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette question sur la sortie. Non, je n'ai pas bien regardé. La dernière, pourriez-vous revenir également sur la sortie et l'impact? Ah ben, je la vois, oui. Je reviens sur le film de Mnouchkine. À partir donc de ce film a eu un énorme impact dans les manuels. Il y a toute une période à la fin du XXe siècle où le visage de Molière pour les élèves devient justement le visage de Philippe Cobert. C'est-à-dire que le film en lui-même va avoir un impact tel qu'il n'y a aucun manuel de la fin du XXe siècle qui, lorsqu'il va parler de Molière, ne va pas à un moment ou à un autre soit présenter les affiches du film, soit présenter justement des photogrammes du film. Ce film a un impact énorme au niveau des manuels scolaires et il va apporter au niveau de l'école donc une nouvelle lecture de Molière qui est totalement adéquate à l'évolution justement de la figure de Molière, homme de théâtre par excellence. Alors au niveau des milieux universitaires, le film n'a pas été effectivement bien reçu. Mais là, c'est deux choses qui sont totalement différentes. L'école va véritablement, c'est l'école qui va donner un impact à ce film. Et il n'y a que très récemment, hein, c'est-à-dire depuis à peu près 2010, qu'on voit disparaître des manuels, les photos hein, du film d'Ariane Mnouchkine. Mais pendant pratiquement 30 ans, le film va régner en maître pour représenter l'image de Molière et le théâtre de Molière. Ok. Sur l'université, bon, c'est sûr le travail de Georges Forestier, qui est sorti en 2018, hein, que vous voyez ici, revient en effet sur quasiment Molière homme de cour, hein, c'est-à-dire y compris dans sa période où il n'est pas à Paris, où il montre toute l'importance des soutiens de différents protecteurs et que finalement la troupe vivait dans des conditions plutôt agréable en fait. Voilà. Enfin, bon, c'est un peu l'approche de Forestier. Mais ça, est-ce que cette approche-là de Forestier arrive déjà dans les manuels? Je ne sais pas si c'est... Non, pas du tout. Alors ouais. Justement, hein, au contraire, dans les manuels, encore maintenant, on continue à parler des 13 années de misère hein, de Molière. Ah, et donc là aussi, c'est la différence entre la critique universitaire et petit à petit le fait qu'elle puisse être introduite dans les manuels. Mais par contre, ce qui est important de dire, c'est que si cette image de Molière qui en fait vivait de façon totalement il ne manquait de rien hein, pendant ces 13 années de pérégrination en province, si cette image n'apparaît pas, c'est parce qu'en fait elle ne correspond pas à l'image que l'on veut donner de Molière aux élèves. On veut donner de Molière aux élèves l'image d'un homme combatif, d'un homme qui justement est arrivé à survivre dans les situations les plus pénibles, dans les situations les plus délicates. Donc, dire que finalement, lors de ses pérégrinations, il n'avait aucun mal à survivre, ça ne correspond pas du tout à justement l'image que l'école veut véhiculer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette idée-là n'apparaît pas encore. Il faut encore une évolution pour que petit à petit, elle apparaisse. Juste une information, hein, on mettra évidemment toutes ces références bibliographiques sur
sur la Dropbox pour que vous puissiez retrouver les références du Georges Forestier, évidemment du livre d'Isabelle Calais-Jaroc et les autres que nous allons mentionner. Voilà, mais même si c'est des références assez faciles à retrouver. En tout cas, Isabelle, je vous remercie mille fois parce que je crois que vous avez d'autres questions qui vous attendent. Voilà, oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, je vous laisse avec regret, mais bon, j'espère qu'on pourra peut-être travailler ensemble à un moment. En tout cas, c'est vraiment avec plaisir. Je souhaite donc vraiment une bonne formation à tout le monde et à bientôt, je l'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir.